Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana. Hôtel Marina, bonjour. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Est-ce que vous avez une chambre libre pour la semaine prochaine, s'il vous plaît? Pour combien de personnes? Je veux une chambre pour 3 personnes. Mon fils, ma femme et moi. Oui, monsieur. Quel jour souhaitez-vous arriver? Mardi matin, vers 10h. Pour combien de nuits? Nous allons rester 3 nuits. Quel est le prix de la chambre? 60€ la nuit. D'accord. Est-ce que le petit déjeuner est compris? Non, monsieur, le petit déjeuner est à 10€ par personne. Est-ce qu'il y a un wifi dans la chambre? Oui, bien sûr, monsieur. Bien alors, je vais prendre cette chambre. Puis-je avoir votre nom? Nicolas Dubois. Et votre adresse email? nicolas.dubois@gmail.fr. Très bien, monsieur Dubois. Vous allez recevoir un email de confirmation dans quelques minutes. Merci beaucoup. Je vous en prie. À mardi. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Nicolas Dubois. Un moment, s'il vous plaît. Ah oui, monsieur Dubois, vous avez réservé une chambre pour 3 personnes. Oui, c'est ça. Puis-je avoir vos cartes d'identité, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, votre chambre est au 3e étage. La première chambre, à droite du couloir. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à composer le 01. C'est le numéro de la réception. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon séjour chez nous. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del Papa, est-ce que tu peux me donner ton portable? Je veux jouer à Candy Crush. Laisse-moi d'abord répondre à quelques emails urgents. En attendant, tu peux ouvrir la télévision et regarder les dessins animés. D'accord. Moi, j'ai très faim. Je vais tout d'abord prendre une douche. Puis on va manger au restaurant de l'hôtel? Oui, ça marche.
Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à me connecter au Wi-Fi. Papa? Attends, je n'ai même pas commencé. Papa, la télévision ne marche pas. Nicolas, est-ce que tu peux appeler la réception? Il n'y a pas d'eau chaude. C'est incroyable. Rien ne marche dans cette chambre. Allô? Je m'appelle Nicolas Dubois, chambre numéro 25. Oui, monsieur Dubois. Comment je peux vous aider? Rien ne marche dans cette chambre. Le Wi-Fi et la télévision ne fonctionnent pas. Et il n'y a même pas d'eau chaude. Je suis vraiment désolée. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite pour réparer le Wi-Fi et la télévision. Et pour l'eau chaude? Je vais appeler le plombier. Je ne peux pas attendre. Donnez-moi une autre chambre. Je vais essayer de vous trouver une autre chambre. Faites vite, s'il vous plaît. Il y a la chambre numéro 21. C'est dans le même étage. Je vais vous apporter la clé, tout de suite. D'accord, j'attends. Voici la clé de la chambre numéro 21. Nous sommes vraiment désolés pour la gêne occasionnée. Maman, j'ai faim. Je sais, mon chéri. Nous avons déjà commandé. Nos plats vont bientôt arriver. Voilà, ta pizza est là. Voilà vos plats. Bon appétit. Maman, la pizza est froide. Laisse-moi voir. Ah oui, tu as raison. Ce n'est pas grave, nous allons commander une autre. En attendant, tu peux manger avec moi de la viande grillée. Attends, je vais la découper. Oh mon Dieu, ces pâtes sont trop salées. La viande est à moitié cuite. C'est vraiment incomestible. C'est insupportable. Je vais aller voir le responsable. C'est intolérable. D'abord, il y a des problèmes avec la chambre, et maintenant, avec le repas. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Venez voir, puis décidez par vous-même. La pizza est froide. La viande est semi-cuite, et les pâtes sont hyper salées. Je suis vraiment désolée. Tous les plats seront changés. C'est inacceptable. Ce ne sont pas les standards d'un hôtel 5 étoiles. Veuillez accepter nos sincères excuses pour ces gênes occasionnées. Je ne peux plus rester dans cet hôtel. S'il vous plaît, donnez-nous une chance de remédier à ces problèmes. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus.
je vais vous donner une dernière chance, mais, je vous préviens, je pars à la moindre erreur.